Et hey, hoi, minasan, c'est Gunsho. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire la suite de Fallout 4. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas super cool. Parce que, en fait, là, j'enregistre ma voix en live. On va dire, d'encodage. Parce que, comme un con, j'ai oublié de démute, on va dire, mon micro-casque. Donc voilà, donc c'est la grosse merde. Donc là, je vais essayer d'expliquer à peu près qu'est-ce qui s'est passé dans ces endroits, avec une voix, du moins, illustrer les choses. Donc j'espère que ça va le faire. Bon, après, je suis pas vraiment un super commentateur, je pense. Enfin, je sais pas. Déjà, je parle pas beaucoup dans mes épisodes, donc ça va être une partie de what the fuck. Donc voilà, donc j'espère que ça va, vous allez apprécier ce geste, enfin du moins j'essayais de mettre ma voix, on va dire, dessus. Donc voilà. Donc voilà, après avoir reçu la mission de Virgile, récupérer un circuit imprimé de ce connard de, on va dire, tueur sanguinaire de robot. Donc en gros, là, je regardais à peu près là où j'étais, ta-ta-ta, je suis à la croix trancheuse, voilà. Donc là, je me dis, bon, ben, on va bouger un petit peu. Et je me suis dit, allez, hop, c'est parti. Et là, je me suis rappelé, ah, mais c'est la ville de Rad, là où il venait le dieu de radiation. Ok, donc voilà, donc là, je fais tac-tac, je passe par-ci, je regarde un peu par-là, et je m'en vais. Donc là, j'explique brièvement que je me déplace à la ville pour faire mes petites affaires. Savoir que vous avez énormément aidé. Vous avez un air dangereux. Si vous voulez que je relise votre journal de bord, par exemple. Hé, monsieur, voilà ce que j'ai. Je fais « Oh, mon toutou !» Ouh, qui est mignon. Allez, on stocke un petit peu. Alors, réparer un petit peu cette armure, hein. Faut travailler pour manger. C'est aussi simple que ça. Vous voulez faire affaire ? Là, je vais faire un petit peu de commerce parce qu'il me faut des choses. Voilà ce que j'ai.
Bon, à partir d'ici, c'est rangement total. Donc voilà. Donc on se retrouve après. J'aime fouiller les poubelles, mais y'a rien. Déception totale, y'a que dalle. Allez, c'est le jour de la gloire. Donc on va chercher la proie du chasseur, donc là en CTP, l'eau il faut y aller. Donc voilà. Hey hey, enfin, je suis arrivé à bon port. Ok, d'accord. Je me disais en fait, il me rappelle quelque chose cet endroit, je suis devenu plusieurs fois. Donc voilà, c'est parti. Donc je me dis, j'espère que c'est à l'intérieur. Donc là, je vais fouiller un peu partout avant d'entrer. Joli, charge. Yes, c'est chargé. Voilà, donc là je suis rentré dans le bâtiment. Je me fais attaquer de tous les côtés par les synthétiques et par des super mutants malveillants qui étaient dans le bâtiment, qui se fracassaient la gueule entre eux. Donc là, c'est parti, allons-y. Bon, là, je vais essayer de toper un peu. Mangez ici, mangez ça, hop là. Je regarde par-ci par-là. Élimination de la forme de vie organique. Oh nice, il y a du stock dans le machin. Oh punaise. Des missiles. Oh my god. Ok. Bon allez, je prends tout là.
Et à ce niveau-là, je me demande si c'est vraiment à l'intérieur. Donc voilà, donc là je vais check mon inventaire de quête. Donc voilà, maintenant, hop, et régler sur la fréquence radio du chasseur. Donc là je me dis, hop là, on va se mettre ça, hop, et voilà, enfin, tout ce qu'il fallait faire. Donc là je me dis, ça doit être pas à l'intérieur, j'entends rien du tout. Donc ça doit être pas à l'intérieur, donc je fouille un peu partout hein, jusqu'à cette conclusion. Donc là je regarde un peu partout, hein, je fouille. Donc là je sors par ici, enfin j'ai trouvé une sortie qui m'intéresse, hop. Donc là je me dis, bon ça doit être bien dehors, ok. Allons-y. Donc là j'arrive sur le toit. Là je me dis, oh yes, là c'est quoi ce bug, oula. Donc là je vois qu'il y a un signal de chargement, hop, signal. Donc ça, si je me rappelle bien, il faut le retrouver. Ok. J'ai dit, putain, mais où ça signe? Ah, Geronimo. Ok. Donc là, je saute comme un fondu. Ok, je me dis, qu'est-ce qu'il veut, lui? Allez, une balle. J'ai du sang dans les yeux. Et deux balles, t'es mort. Au revoir. Goodbye. Alors, donc voilà, donc ça va être la, comment dire, l'affrontement, l'affrontement assez déroutante pour l'ennemi. Espèce d'enflure. Je détecte des forces de l'imposte. Couvrez-moi. Trouvez. Journée. Bon voilà, après je me dis pas que ça foutre aller chercher ce signal. Bon, je sais que c'est pas trop ça que je veux, ce que je disais peut-être à ce moment-là, je m'en rappelle plus. Ça fait au moins 3-4 heures que j'ai enregistré cette séquence. Donc je ne sais pointer. J'étais en pleine expansion d'envie de jouer à ce Fallout 4. Donc voilà, donc là je m'aventure là parce que je voulais des fruits mutants. Des fruits mutants. Et là je vois un truc pas trop loin. Je me dis hop, on va passer par là. Ok, c'est par là, c'est par là. Et là je fais hop. C'est quoi cet endroit? Ça pue. Et ouais, ça pue. Il y a plein de rades dans le coin. Et avec ça, il y a des ghouls. Le cratère de Cambridge. Oui. Grenade! Toi, tu t'intègres. Et toi, tu te voles. Tu voles très loin. T'as mis bon jusqu'à là-bas, quoi. En fait, il s'est rentré dans l'intérieur. Toi, c'est what the fuck? Tiens, mange. Mange. Que l'aille.
voilà. Donc après, hein, je vous laisse avec la vidéo. Et à ce niveau-là, j'essaie désespérément de, comment dire, de sortir de ce trou. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs approches. Donc là, j'essaie de passer par là. Et... Non, ça passe pas. Hey fuck. Allez. En fait, Donc là, j'arrive à passer. J'arrive à passer. Cosworth qui attaque. Des canards de si loin. Donc voilà, donc c'est reparti. Là je regarde 73%, ça va. 69 et 84, ouh, c'est chaud. 89, oula, c'est vers là. On me dit, ouais. C'est où? Donc voilà, donc là je tourne tout autour. Bon, je sais que je dois dire, oh fuck, t'es passé. À 80%, je dis oh, bon, 76, oh my god. De quoi? Ok, d'accord. Sans déconner. Je pense pas que c'est là, et là il y a des connards qui font chier. Oh shit. Pire. Ah. Je vais te trouver. Il s'appelle tirer droit, au final. Thank you.
Bon, voilà, c'est bon, c'est la dernière. Encore possible. Donc voilà, je pense qu'il faut comme pour les autres. Je ne vois pas de choses inutiles. Mon cher robot est en train d'attaquer le boss qui m'a dit qu'il est en haut, qui est respawn. Donc voilà, donc là je me dis non, je ne peux pas passer par là. Donc là, hop, je trace. 100%, je suis un petit peu trop allé trop loin. Là, j'en suis en train de vraiment perdre la trace là, du machin. J'ai oh fuck. Non, je peux passer par là. Ok, voilà, je passe par là. Ok, je tire pour rien. Ok, là j'arrive là et je fais. Waouh, 86, 92. Ok, 91. Non, pas par là. Je me dis. Enfin, j'y pense du moins. Tiens. Non. Oh non. Pas là. Je n'en ai pas fini avec vous. Je vous retrouverai. Ok. Là, je me dis. Attends. Plus de points là. Ah, mais celle-là. Enfoiré, je suis passé devant. Je suis passé juste devant. Donc là, hop, je fais yes. Enfin, j'ai trouvé. Bon, j'espère que je vais le défoncer et tout. Machin chouette. Hein. Bref. Non, c'est ça, je sais que c'est du bâclé, mais bon. Là, hein, je fouille un petit peu le bâtiment, hein, la bâtisse. Fouille un peu la chose. Donc là, j'avance prudemment. Avec l'arme au poing. Là, on me prêt à faire feu. Et là, je fais. Le chasseur est au premier. Tirez à vue. Alors, un intérieur. Un intérieur. Donc, je me dis, dans le coin, il va y avoir des connards. Donc, voilà, hop, un cadavre. Défoncé. Je récupère. Oh là, what the fuck. What? Je me fais attaquer tous les codés. Trace comme un forcené. Hop là. Tu veux toi là. Et toi là. Ah merde, c'est un légendaire. Grenade. J'espère qu'il y a pas. Oh, j'ai tué. Non. Qu'est-ce qu'il fait, grenade dans ta tronche. Y en a combien? Ouais, plus j'avance, plus je croise d'ennemis, donc je les tue. Tout simplement, pur et simplement. Voilà.
Je vais peut-être arroser un peu la gueule. Mais j'y passe comme si. Bon, après, je sais pas, ça doit être une mission bas level, à mon avis. Bon, bref, je sais que j'ai avancé beaucoup, j'ai exploré partout, mais voilà quoi. Mais les quêtes principales ont été un petit peu retardées. Ça y est. Ça va chier. Donc là j'ai fouillé un peu partout et je trouve ça, je fais oh yes, le chirurgien du Massachusetts. C'est ça, Massachusetts, voilà, j'ai bien dit. Donc voilà, donc c'est pas mal ce passif sur les membres, voilà, c'est pas mal du tout. Donc voilà, donc je l'ai récupéré, ça va faire mal. Oh ouais. J'engage le combat avec l'ennemi. Barricadez les cages d'escalier et les couloirs si c'est pas déjà fait. Voilà, donc ça tire de tous les côtés, c'est quoi ton bug. Ils veulent vraiment le tuer, le chasseur là, le chasseur de synthétique. Là, je ramasse un peu ce que je veux comme plutôt avant, donc là je fouille un peu, je fais le fouiller, je ramasse tout ce qui m'intéresse. Et là je me dis, on va pirater ça, on va enlever cette tourelle là. Qui ? Et voilà. Pas le prix de ces saloperies de d'armure là en forêt. C'est un peu c'est pas cool, ça coûte cher en plus.
là je fouille à la recherche de choses. Et là je fais oh, intéressant, je me dis. Parce que là franchement, ouais, ça va, c'est pas dégueulasse. Donc voilà, donc je prends tout ce qui m'intéresse. On a perdu le contact avec les secteurs 2 et. Et là je me dis, mais si je me l'équipais. Hop, équipons ça. Donc voilà, donc j'ai équipé cette chose. Quand j'éteins cette radio, saloperie. Même si tu fais pas au rond du son, je récupère cette essence. Ça peut être utile. Pour ces niveaux que tu portes, je passe par là. Et je ramasse. Donc voilà, donc allez, on va ouvrir ce machin. Et voilà, c'est ouvert. Oh, coucou. Oh, y a des cas partout. Quelqu'un est passé devant avant moi ou quoi? C'est pas vrai. Donc là, je récupère un truc intéressant. What the fuck? Ça a explosé, il y avait un truc piégé en forêt. Ok, on ouvre ça. Génial. Et voilà, donc l'épisode est fini, j'espère que vous avez apprécié cet épisode en ma compagnie. Donc voilà, donc pour le prochain épisode, ça va manger du plomb chez les ennemis. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard, c'était Gunshow, bye bye.